I evo moje nekoliko reći o ovome što smo delimično i mi učestvovali u celoj ideji. Kada smo kao izdavačka kuća odlučili da objavimo odličnu knjigu Davida Diopa Braća po duši, smatrali smo da je ideja romana izuzetno originalna. Ja lično ni kao izdavač, ni kao pisac nisam znao za postojanje nekog savremenog autora i romana sa temom afričkih boraca u Prvom svetskom ratu, Velikom ratu, a koji su dali svoj doprinos boreći se na evropskom tlu kao pripadnici francuske armije. Priznajem da sam bio pomalo iznenađen kada sam shvatio da su mladi čitaoci Francuske odabrali ovaj naslov za svoju nagradu Goncourt srednjoškolaca, gimnazijalaca. Nisam očekivao da će se vezati za prilično surove scene opisa borbi na frontu. Iako Diop vrlo suptilno upravo tu surovost koristi da opiše svu lepotu ljubavi, prijateljstva i jednostavnosti života njegovog Senegala, imao sam jednu vrstu predrasude da bi mladi čitaoci više želeli neku lakšu temu za svoju knjigu Uzor. A onda su svoju književnu zrelost pokazali i mladi čitaoci Srbije i odabrali istu knjigu za svoju Gonkurovu nagradu studenata. Ovo inače nema često poklapanje oba žirija mladih u obe zemlje, samo još jednom potvrdilo da je književna reč univerzalna, je prenosi sve na uzvišene načine emocionalne istine ovoga sveta, da su ljudi i njihovi osjećaji na svim meridijanima i kontinentima, ako ne isti, ono barem vrlo slični, a da je taj svet jedan i zajednički. I na kraju, drage, su mi još dve činjenice. Francuski i srpski jezik su u ovom slučaju pokazali lingvističko bratstvo. Diopova igra reči između sintagmi frère d'armé i frère d'armé našla je svoj ekvivalent u izvrsnom prevodu Olje Petrović, koja je ovde sa nama, u srpskom jeziku braća po oružju, to jest braća po duši. U devetoj godini postojanja Gonkurove nagrade studenata Srbije želim da izrazim lično zadovoljstvo što su 2011. zajedno Francuski institut i geopoetika pokrenuli inicijativu za ovu nagradu koja je po svim kriterijumima etike i estetike, naša dva jezika i naše dve institucije, s pravom može se nazvati braća po duši. Zato zahvaljujem i Diopu, Davidu Diopu, na naslovu koji definiše naše književne odnose. Hvala. Merci. Bonjour, donc c'est à mon tour maintenant de saluer Monsieur Diop au nom des étudiants qui ont participé cette année et l'année dernière, bien sûr, au prix Goncourt, le choix des étudiants serbes. Je vous salue aussi au nom des collègues qui ont participé, des collègues qui enseignent la littérature française et la littérature francophone. Et je voudrais vous aussi exprimer notre déception commune de ne pas vous avoir là avec nous, d'autant plus que votre livre avait suscité de vives émotions l'année dernière et de vifs débats vu le sujet, un peu assez inattendu pour le public serbe. Et ce serait donc peut-être une de mes premières questions, ou alors une occasion pour vous de partager avec vous vos impressions sur le prix Goncourt, sur l'attribution du prix Goncourt, vu que ce prix votre livre a été désigné dans 9 différents pays, d'accord, du Brésil jusqu'à la Chine, en passant par la Serbie, et surtout plébiscité par un public jeune. Votre livre n'a pas reçu le grand prix Goncourt, pour dire ainsi, mais sa valeur et son message, si je peux dire ainsi, ont été reconnus par les jeunes. Alors, est-ce que vous pourriez peut-être nous donner votre point de vue ou vos impressions? Pourquoi ce livre a été tellement reconnu par un public jeune, d'accord? Et de pourquoi autant de succès à l'étranger? Monsieur Diop? Il est perdu.
Bon, c'est pas grave. Le voilà. 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 Est-ce que vous m'entendez? Oui, nous vous entendons. Est-ce que vous voulez que je répète peut-être ce que je vous demande? Si vous ne Non, j'ai bien compris la question. Je vous remercie pour votre intervention et je remercie également mon éditeur qui a fait une belle intervention. Je ne comprends pas le serbe, mais heureusement, j'avais la traduction et son idée selon laquelle... la littérature est universelle, me plaît beaucoup. En effet, la littérature permet d'échanger des émotions. Et je pense que... Donc, je disais que la littérature, l'idée qu'a développée l'éditeur de Géopolitica qui me publie, j'y tiens. Et je pense que pour répondre à votre question, cette guerre dont j'ai parlé, a vu la présence et l'envoi de centaines de milliers de jeunes gens combattre. Et je crois que ce livre a touché les jeunes gens parce que finalement, les soldats de la Première Guerre mondiale, en règle générale, et puis c'est le cas aussi dans toutes les guerres, avaient leur âge. Et je pense que c'est peut-être ce qui a fait que le public enfin, de lecteurs un peu plus jeunes a été particulièrement touché par ce récit qui raconte l'histoire d'un tirailleur sénégalais, donc d'un soldat finalement qui vient des colonies françaises, que les tirailleurs sénégalais étaient aussi des très jeunes gens qui avaient été formés assez rapidement et qui sont allés combattre en Europe et en France en particulier. Donc je pense que c'est le fait que les personnages du texte soient des jeunes gens qui a peut-être touché les lecteurs. Alors, juste pour préciser, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, les étudiants sont en ligne aussi et ont la possibilité de vous poser des questions s'ils en ont envie. Il y a parmi nos étudiants des étudiants qui ont voté l'année dernière, qui ont lu votre livre et peut-être voté pour votre livre. Les votes étaient secrets, donc je ne suis pas au courant. Alors, ce livre a été publié en 2018, lors de la fin des célébrations du centenaire de la Grande Guerre. Et bien sûr, la question qui se pose, d'où le besoin, d'accord, d'écrire un tel livre, d'autant plus qu'il arrive en 2018, donc à la fin des célébrations, quand une grande quantité de livres commémorant la Grande Guerre a déjà été publiée. Et donc, d'où le besoin en 2018 d'écrire un livre sur les tirailleurs sénégalais qui sont parmi les grands oubliés de l'histoire et de la mémoire de cette guerre. On a honoré tout récemment les harkis en France. La commémoration des tirailleurs sénégalais s'est faite en 2018, n'est-ce pas, lors de la célébration à Reims, à Éparges, du président Macron et avec la participation du président malien. Donc, d'où le besoin d'écrire maintenant, d'autant plus qu'il y a peut-être plus de survivants tirailleurs sénégalais de cette grande guerre. Il y a peut-être encore des survivants en Grande-Bretagne de la Grande Guerre. Est-ce qu'à votre connaissance, il y a encore des tirailleurs sénégalais de la Grande Guerre en vie? Et bien sûr, je reviens à la question, d'où le besoin d'écrire maintenant ce livre? Alors, pour répondre à la dernière partie de votre question, je ne pense pas qu'il y ait des tirailleurs survivants de la Première Guerre mondiale. Ceux de la Deuxième Guerre mondiale, parce que les tirailleurs sénégalais ont participé aussi à la Deuxième Guerre mondiale, sont très âgés et sont presque centenaires. Alors vous pensez bien que ceux de la Première Guerre mondiale ne sont plus là.
Alors, c'est vrai que le texte paraît en 2018, hein, Frère d'âme, mais l'idée de ce roman m'est venue en 1998, il y a très longtemps, donc, à la lecture de lettres de poilus, c'est-à-dire de soldats de la métropole. Comme j'ai deux origines culturelles, je me suis demandé s'il y avait des lettres équivalentes chez les tirailleurs sénégalais qui raconteraient une intimité avec la guerre. Parce que les lettres des poilus que j'ai lues et qui ont été rassemblées par un historien en 1998 étaient extrêmement émouvantes et parlaient d'une intimité avec la guerre, donc une guerre extrêmement violente, une guerre industrielle. Blaise Cendrars parle de guerre usinière à propos de la Première Guerre mondiale, dans son texte qui s'intitule « La main coupée et autres histoires de guerre ». Et donc, je me suis dit, mais les tirailleurs sénégalais qui sont venus, plusieurs centaines de milliers de tirailleurs sont venus d'Afrique, il n'y a aucun témoignage assez, comment dire, aussi émouvant que ces lettres de poilus. Alors, j'ai cherché. Et les historiens nous disent qu'en effet, il y a des lettres, mais que ces lettres-là sont des lettres administratives. Il n'y a pas de lettres qui témoignent de cette intimité avec la guerre. Donc j'ai souhaité inventer une lettre. La première idée, ça a été de me dire, je vais inventer une lettre. Mais ensuite, j'ai imaginé que je souhaitais que ce tirailleur sénégalais qui venait donc de la campagne ne sache pas parler le français. Il y avait des tirailleurs sénégalais qui parlaient le français, mais j'ai souhaité qu'ils ne parlent pas le français. Parce que pour moi, il était important de mettre en scène dans la guerre un jeune homme qui venait de la campagne, qui n'avait pas eu beaucoup de contact donc, avec le français ni avec l'Europe, d'une certaine manière, à travers la langue française. Et c'est pour cela que j'ai choisi un point de vue interne, c'est-à-dire que j'ai souhaité que les lecteurs aient accès directement aux pensées du personnage, ce qui m'évitait un problème de traduction. Et donc, cette incursion dans les pensées du personnage, elle est née en fait de cette volonté que j'avais d'essayer d'imaginer ce qu'avait pu être l'émotion ou les émotions de ces tirailleurs sénégalais qui arrivaient en Europe, en France, pour combattre. Mais cette idée-là, elle est très ancienne. Et il se trouve que, par les circonstances de la vie, là, je n'ai publié ou je n'ai pu publier ce roman qu'en 2018. Ça tombait très bien, hein, c'était au moment des commémorations. Mais l'idée de ce roman est très ancienne. Très ancienne, cela remonte à peut-être à une histoire personnelle? Alors non. Ou de votre famille, d'un récit familial peut-être? Alors, je suis franco-sénégalais. Mon père est sénégalais et ma mère est française. Et du côté de mon père, il n'y a pas eu de tirailleurs sénégalais. Par contre, du côté de ma mère, il y a un poilu qui a fait la Première Guerre mondiale, qui a été donc même gazé au gaz moutarde, ce qu'on appelle le gaz à l'hypérite, et qui n'est pas mort sur le champ de bataille, mais qui est mort quelques années après, hein, la guerre, la fin de la guerre. Et cet homme-là, comme beaucoup de combattants, n'a rien dit sur ce qu'il avait vécu. Il n'a rien dit sur ce qu'il avait vécu sur ces champs de bataille. Donc, chez moi, depuis que je suis petit, et que ma mère m'en a parlé, il y a toujours eu ce silence de ce combattant-là sur ce qu'il avait vécu. Et quand j'ai choisi d'écrire l'histoire ou d'inventer l'histoire d'un tirailleur sénégalais, dans le fond, il y avait cette volonté de faire parler un combattant qui aurait été à la bataille. Même si finalement, mon grand-père était un personnage réel, est un être qui a vraiment existé, eh bien, c'est ce silence-là, cette absence de discours sur ce qu'il avait vécu qui m'a peut-être incité à inventer cette histoire d'un tirailleur sénégalais. Mais du côté de mon père, il n'y a pas eu, à ma connaissance, de tirailleur dans la famille.
Oui, mais sur ce fait, donc, vous parlez un petit peu de l'universalité des combattants de la Grande Guerre, que ce soit des tirailleurs sénégalais ou des poilus, c'est l'importance de donner la voix à ceux qui ont souffert et qu'on a très souvent oblitéré. C'est ce que l'on voit dans le roman, dans les interactions par exemple, d'Alpha Ndiaye et du capitaine Armand. Les poilus, c'est-à-dire les soldats, les humbles soldats, n'étaient que des soldats et devaient uniquement obéir aux ordres. Vous disiez tout à l'heure que vous avez voulu donc parler d'un épisode de l'histoire du XXe siècle, un épisode tragique, sanglant, d'accord, voire barbare. Vous parlez de la folie de la guerre. Et c'est un sujet qui a touché les étudiants l'année dernière, c'est-à-dire comment imaginer le scandale de la guerre, l'inhumanité de la guerre, et la présenter dans un texte qui, à première vue, apparaît assez simple, assez naïf. Vous suivez le point de vue interne du personnage principal qui parle à la première personne, hein, qui, à certains moments, a l'air d'être tout à fait simple, naïf, un bonhomme. Vous reprenez peut-être un des mythes du bon sauvage. Nous allons parler maintenant de la sauvagerie et du scandale de la guerre. Alpha Ndiaye dit dès le début « Je suis mort, je suis la mort, je suis la mort ». Et la question qui se pose dans votre livre, qui est fou, d'accord? Où est la folie? Où se trouve la folie? Est-ce la folie d'un seul homme qui va tuer 7, c'est-à-dire 8 hommes, leur trancher la main et la rapporter comme un butin de guerre? Ou est-ce que c'est la folie d'envoyer 100, 200, 300 hommes, d'accord, au premier sifflet, pour essayer de reconquérir 10, 20, 30, 100 mètres du territoire ennemi, que d'ailleurs, la plupart du temps, ils reperdaient le lendemain? Qui est fou dans cette histoire? Oui, oui, vous avez en fait donné la réponse dans la question. Malheureusement. Non, 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 c'est tout à fait cela. J'ai voulu aussi interroger ce rapport. J'ai voulu revenir sur les préjugés qui étaient ceux que les Européens avaient sur les sauvages, c'est-à-dire finalement les Africains qui arrivaient à la guerre. Il faut savoir que l'Allemagne a protesté officiellement contre la France parce qu'elle avait introduit des tirailleurs sénégalais sur des champs de bataille européens. Elle avait dit, en fait, l'Allemagne, qui avait envoyé une protestation officielle au Parlement français, que cette guerre devait être une guerre entre blancs et que le fait d'envoyer des tirailleurs sénégalais, c'était finalement introduire la barbarie en Europe. Et donc, moi, si vous voulez, ces préjugés-là, évidemment, j'en ai tiré parti dans mon roman. C'est-à-dire que j'ai saisi l'occasion de l'écriture de ce roman pour finalement revenir sur ces préjugés et les déjouer. Et montrer que, dans le fond, la sauvagerie, c'est la chose du monde la mieux partagée par toute l'humanité, d'une part, et que d'autre part, comme vous l'avez dit, la sauvagerie la plus grande se donne à voir sur un champ de bataille. Parce que dans ce champ de bataille qu'était celui ou ceux de la Première Guerre mondiale, comme je l'ai dit tout à l'heure, ces champs de bataille, c'était des champs de bataille où on a assisté à une mécanisation de la guerre et où vous aviez des milliers d'obus qui tombaient toutes les minutes et qui finalement tranchaient, coupaient les mains et qui éventrait les soldats. Donc j'ai voulu, en me créant un personnage qui faisait la même chose, mais à hauteur d'homme, oui. Parce qu'il est devenu fou, parce que lui-même avait un propre traumatisme en Afrique qui s'est agrandi sur le champ de bataille. J'ai voulu montrer que, eh bien, finalement, qui est-ce qui est le plus sauvage? Est-ce que, comme vous l'avez dit, c'est la guerre qui envoie des centaines de milliers de jeunes gens se faire tuer à coup sûr, se faire éventrer et se faire couper les mains,
avec les obus qui éclatent, ou est-ce que c'est un individu qui, parce qu'il perd la raison, eh bien, fait exactement la même chose. Donc, j'ai voulu, en fait, dans ce roman, ne pas simplement raconter l'histoire d'un tirailleur sénégalais, mais aussi raconter l'histoire de tous ces jeunes gens qui ont été jetés dans une guerre extrêmement sauvage. Et dans le fond, pour moi, c'est une réponse à cette question que je donne, c'est la guerre qui est sauvage, ce ne sont pas les soldats. Oui, bien sûr. Vous parlez de l'inhumanité soi-disante d'Alpha Ndiaye par rapport au scandale de la guerre. Mais il y a cette question qui avait fasciné les étudiants l'année dernière, c'est que jusqu'à la troisième main coupée, Alpha Ndiaye est un héros. À partir de la quatrième, c'est un criminel. D'accord ? Où est-ce que cela bascule ? D'autant plus que Alpha Ndiaye le dit, je suis devenu fou par raison. D'accord, cela a été mon choix. Et il est complètement absurde de parler de l'inhumanité d'Alpha Ndiaye comme si la guerre était quelque chose d'humain. Il y a un transfert de sens. Par exemple, dans les appels du capitaine Armand, quand il lance le sifflet d'appel, en galvanisant ses soldats en disant « oui, vous êtes les sauvages, les Allemands ont peur de vous, etc. » Mais lors de la mutinerie, il va leur reprocher d'être des lâches. Il y a un discours ambigu aussi sur ces tirailleurs sénégalais. Vous parliez tout à l'heure des sauvages, d'accord, de la vision des sauvages à partir d'un monde civilisé, n'est-ce pas? Quand on a besoin de vous, vous êtes les bons sauvages. On reprend le mythe du bon sauvage. Quand on n'a pas besoin de vous, vous êtes des lâches, vous êtes des bons à rien, vous ne servez à rien. Et non seulement un discours ambigu, mais un discours raciste. Et vous le soulignez, les soldats sont appelés chocolat. Ils ont besoin d'un interprète pour s'adresser au capitaine. Il y a le choc des cultures aussi. Oui, c'est une période où la France a un empire colonial. Et l'empire colonial se justifie par une hiérarchisation des races. D'un côté, on avait besoin des tirailleurs sénégalais, et de l'autre, il fallait bien aussi les maintenir dans une sorte de minorité, sachant que l'organisation de l'empire faisait que ces soldats n'étaient pas des citoyens français, c'était des sujets français. Et donc, la colonisation s'est toujours justifiée par, au XIXe siècle, en tout cas en France et en Europe plus généralement, par l'idée qu'il fallait civiliser des sauvages. L'idée que les tirailleurs sénégalais pouvaient être de grands enfants et en même temps des sauvages sanguinaires a été exploitée quand même par l'armée française qui, dans l'uniforme des tirailleurs sénégalais, a intégré le coupe-coupe. Ouais. Le coupe-coupe, c'est ce long couteau-là qu'on utilise pour débroussailler, si vous voulez. Donc ce coupe-coupe a été intégré dans l'uniforme. Pourquoi ? Parce que c'était pour faire peur aux Allemands. C'était pour leur inspirer de la crainte. Et on sait que certains bataillons de tirailleurs sénégalais ont nettoyé des tranchées allemandes au coupe-coupe. Donc d'un côté aussi, puisque ces soldats ont été finalement recrutés par la France pour combattre contre l'Allemagne, ils étaient aussi du bon côté. Donc, on les représentait aussi comme des bons enfants. Il y a une marque de chocolat qui s'appelle Banania qui a utilisé l'image du soldat, du tirailleur sénégalais, avec un grand sourire et qui dit « il y a bon Banania », c'est le chocolat qui était fait à partir de poudre de banane et de cacao. Donc, vous avez cette ambivalence-là aussi dans la représentation du tirailleur sénégalais au début du XXe siècle en France. D'un côté, c'est une force qui est destinée à terroriser l'ennemi, et de l'autre, c'est toujours un grand enfant. Quand il est bon,
c'est qu'il est de notre côté et qu'il finalement sera fidèle à la mère patrie et à la France et qu'il ira jusqu'au bout de ce qu'il peut faire pour aider la mère patrie à se sauver. Donc il y a un jeu sur les préjugés pendant cette période-là. Est-ce que c'est une manière pour vous aussi de vouloir déjouer un petit peu ces préjugés, cette propagande, d'avoir voulu faire de ces tirailleurs sénégalais des meurtriers, n'est-ce pas, des soldats qui étaient là pour faire peur aux soldats allemands? Est-ce qu'il y a une dimension politique? Alors, au départ, non, pas de dimension politique. Pour moi, j'étais finalement, on est un peu égoïste quand on est écrivain. On ne pense pas nécessairement à une inscription dans une politique. Mais je suis aussi chercheur, je suis universitaire. Et mon travail d'universitaire, c'est de travailler sur les représentants, les représentations du noir et de l'africain en Europe, depuis le XVIIe jusqu'au XVIIIe siècle. Et je suis certain que ce que mon travail universitaire m'apporte a influé aussi sur mon écriture. C'est-à-dire que j'ai intégré des problématiques et des réflexions sur la représentation de l'Africain en Europe jusqu'au XXe siècle. Hein. Donc, pas de dimension politique à première vue. Ça vient, ça peut venir du lecteur, en effet. Mais au départ, c'est une interrogation sur comment fonctionnent les représentations qu'on peut avoir de l'autre, et en l'occurrence ici de l'Africain. Merci. À ce sujet, est-ce que vous allez continuer de travailler peut-être sur ce topo ou cette thématique des tirailleurs sénégalais? Est-ce que vous allez continuer à faire des recherches? Je ne dis pas nécessairement écrire un autre roman. Alors, je le dis souvent maintenant, hein, je sais beaucoup plus de choses sur les tirailleurs sénégalais depuis que j'ai publié Frères d'âme. J'en sais beaucoup plus après qu'avant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent me donner en fait des témoignages et me raconter des choses que je n'imaginais même pas. Quant à écrire à nouveau sur la guerre, je pense que c'est terminé. C'est terminé. Et... Avant de donner peut-être la parole aux étudiants qui, pour l'instant, ne se manifestent pas, ils doivent lever la main pour pouvoir vous poser la question. Une dernière question, c'est la langue. D'accord? C'est la langue. C'est comment est-ce que vous avez choisi la langue de votre personnage, étant donné que vous avez précisé que c'est une personne, je ne dirais pas inculte, mais qui n'a pas fait l'école. Qui n'est pas à l'école, son école s'est arrêtée aux portes de l'école. Comment rapprocher ce personnage au lecteur? Donc, il y a très peu de lexique, peul ou wolof, très peu de mots, et pourtant, vous avez l'impression d'écouter un tirailleur, c'est-à-dire un personnage africain. Comment est-ce que vous avez. Comment êtes-vous parvenu à traduire les pensées de ce personnage qui n'est pas européen, qui n'est pas civilisé? Alors, c'est pas parce qu'il n'est pas européen qu'il n'est pas civilisé. Je veux dire, je vais répondre à votre question. Vous disiez qu'il ne parlait pas français, c'était pour Voilà. cela, voilà. J'ai travaillé le rythme de la langue française. C'est-à-dire que j'ai écrit en français, je n'ai pas voulu écrire dans ce qu'on appelait à l'époque le petit nègre. C'est-à-dire que c'était un français de base qui a été enseigné aux tirailleurs sénégalais très rapidement pour qu'ils comprennent les ordres sur le champ de bataille. Mais c'est un français qui était, si vous voulez, pauvre, alors qu'il y avait des tirailleurs sénégalais qui parlaient parfaitement bien le français. Donc j'ai voulu que mon personnage, on ait le sentiment, bien qu'en lisant ce qu'il pense en français, on ait très clairement le sentiment qu'il pense dans une autre langue, et une langue africaine en l'occurrence. Et pour arriver à ce résultat, j'ai travaillé le rythme du français. Et mon souhait, mon rêve, c'est qu'en serbe, le traducteur ou la traductrice ait conservé ce rythme-là. Et je ne doute pas parce que j'ai déjà des échos qui me disent que la traduction est superbe. Mais c'est ça, le but, c'est que le rythme
du français et donc du serbe peut-être, laisse comprendre que ce personnage-là ne pense pas en français. Oui, l'écriture est magnifique, elle est émouvante. Vous avez un rythme qui se suit, vous avez presque l'impression d'une incantation ou une psalmodie, d'accord ? Ce qui est, je ne vais pas dire typique, mais ce qui est propre aussi à la culture orale africaine. Vous avez vraiment l'impression de participer au flux des pensées du personnage, de le suivre et la manière de parler. Voilà. Et ça le rattache à sa pratique sociale, à sa société. Exactement. C'est ce français qui traduit un autre horizon culturel, traduit une façon de parler une langue africaine, hein, un rythme dans une langue africaine. Donc le jeu et le travail, ça a été non pas de traduire mot à mot le Wolof en français, mais de traduire le rythme du Wolof en français, dans le rythme du français. Alors, on me signale ici que les étudiants pourraient s'inclure, qu'il y a des intéressés, il y a des journalistes aussi qui voudraient vous poser des questions. Oui, si vous permettez, Monica Stanko, j'aurais une question pour David Diop. Monica, vous êtes là? C'est une étudiante. Oui, c'est une étudiante du département de Niche. Oui. Oui. Bon, voilà. Bonjour. Un grand merci à Monsieur David Diop de se présenter avec nous. C'est un grand honneur de vous avoir ici. Je voudrais mentionner une citation que vous avez mise dans le roman et qui est la suivante. Il faut écouter la voix du devoir. Penser trop par soi-même, c'est trahir. Celui qui comprend ce secret a des chances de vivre en paix. Comme j'ai compris cette citation, comme je l'ai intégrée et incorporée dans votre œuvre, c'est que il faut écouter la voix du devoir. Je me réfère au tabou qui a suivi toujours l'histoire de ces deux frères, plus que frères, Alpha et Madame Ba. Et justement, le moment où Madame Ba supplie son meilleur ami de le tuer, de l'achever, est le moment où il ne peut pas le faire, Alpha. Et après qu'il dit donc penser trop par soi-même, c'est trahir. C'est-à-dire que il a trop pensé après ne pas avoir fait cet acte d'accomplir cette supplication de son meilleur ami. Est-ce que on agit toujours en suivant nos sentiments, les sentiments de notre cœur, ou c'est justement après qu'on pense? Et je me demande si Alpha avait une seconde opportunité de faire les choses de nouveau. Est-ce qu'il aurait le courage, ou justement, est-ce qu'il aurait pu tuer son ami? Merci Monica pour votre question très intéressante. C'est le cœur du problème en fait. C'est-à-dire que j'ai voulu placer le personnage dans un dilemme. Soit il tue son ami et il regrette de l'avoir tué. Soit il ne le tue pas et il regrette de ne pas l'avoir fait parce que son ami souffre. Donc c'est une situation traumatique dès le début dans la je place le personnage. Et donc, je ne crois pas que s'il avait revécu la situation, il aurait achevé son ami. Et c'est tout aussi impossible de le laisser mourir que de le laisser, le laisser souffrir. Vous voyez ? Et c'est ce choc-là, c'est cette image-là du départ, ce choc du début, qui fait qu'il reproduit cette scène traumatique tout au long du roman en coupant les mains et en allant tuer les ennemis. C'est l'impossibilité de surmonter ce choc traumatique qui fait qu'il reproduit toujours et qu'il n'en sort jamais parce que c'est une situation impossible.
Il n'y a pas de réponse. Voilà. Bon, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous. Donc, les étudiants, comme les journalistes, doivent juste me lever la main pour poser des questions. Bonjour, c'est Madame Vesna Jovanovic de la RTS. Tout d'abord, félicitations. Vous avez déjà répondu à une question que j'avais, mais vous avez dit tout seul que vous ne souhaitiez pas faire un documentaire, mais voilà. Donc l'idée initiale, c'était de transmettre l'émotion de quelqu'un qui a participé à la guerre et comment est-ce que vous y avez réussi tout en ayant un peu de soucis quand même à trouver de la documentation. Et la dernière question, c'est comment est-ce que vous commentez le fait que les jeunes en France, aussi bien qu'en Serbie, aient choisi le même ouvrage? Alors, pour répondre à la première partie de votre question, j'ai beaucoup lu sur les tirailleurs sénégalais. Il y a des thèses d'historiens en France qui sont écrites et très bien documentées sur les tirailleurs sénégalais. Mais j'ai lu ces travaux d'historiens sans prendre de notes. J'ai fait exactement l'inverse de ce que je fais dans mon travail d'universitaire. C'est-à-dire, quand on lit un livre, en principe, on prend des notes. Là, j'ai soigneusement évité de prendre des notes pour qu'au moment où je commencerai à écrire, ne me revienne que ce qui avait frappé d'un point de vue affectif et émotionnel ma mémoire dans ce que j'avais lu. Donc voilà pourquoi, si vous voulez, on peut dire qu'il y a un décor. C'est vrai que je ne cite aucune bataille précisément, que je ne situe pas le personnage, par exemple, dans la bataille de la Marne ou bien dans la bataille de Verdun. Ou... Non, c'est parce que, dans le fond, je voulais que ce soit l'émotion qui arrive au premier plan et que le décor soit en arrière-plan. Et donc, ça me permet de faire une transition pour la deuxième question que vous avez posée. Je pense que c'est cette émotion-là que j'ai éprouvée moi-même en écrivant le texte et qui m'a été donnée aussi en lisant la documentation que j'ai lue pour écrire Frères d'âme, qui fait que des jeunes gens de pays différents, j'imagine que c'est cela en tout cas, eh bien, partagent cet intérêt pour le livre. Hein, c'est cette émotion qui est universelle. Et ce que j'ai essayé, c'est de la traduire, mais elle aurait pu surgir d'un autre contexte peut-être que celui de la Première Guerre mondiale. À titre d'information, les tirailleurs sénégalais ont participé aux batailles sur le front français, mais aussi sur le front d'Orient, ce qui est d'autant plus intéressant pour nous ici en Serbie. Oui, ils ont participé dans les batailles des Dardanelles. Oui. Hein, et d'ailleurs, j'ai une anecdote qui m'a été donnée par un de mes oncles au Sénégal qui m'a dit « Mais on connaît un ami d'un ami qui a un arrière-grand-père qui a combattu dans les Dardanelles, à Métilène. Voilà. » Et qui portait lui-même un coupe-coupe à sa ceinture, ce qui faisait peur aux ennemis à ce moment-là. Alors, une question d'un journaliste. Donc, M. Vladimir Matković du quotidien d'Anas, sa question porte sur les aspects douloureux de la Grande Guerre que vous évoquez dans votre ouvrage. Et la question porte sur ses effets et son impact sur le questionnement ou la remise en question des actes de l'Empire colonial et du gouvernement français. Est-ce que cet ouvrage et ses aspects sur la Grande Guerre ont eu un impact dans la société française? Alors, je peux dire qu'en tant qu'auteur, je suis allé dans beaucoup de salons en France et j'ai rencontré beaucoup de Français et de Françaises qui m'ont raconté les relations qu'ils ont pu entretenir
que leur grand-père ou leur arrière-grand-père avaient pu entretenir avec les tirailleurs sénégalais. Et c'était souvent des relations d'amitié. Par exemple, au musée des armées aux Invalides à Paris, il y a une photographie qui m'a beaucoup frappé où on voit dans une grotte de la région qu'on appelle l'Aisne, hein, où il y a eu de grandes batailles, on voit un tirailleur sénégalais et un poilu français qui se tiennent par l'épaule. Je pense que dans l'esprit des tirailleurs sénégalais, d'après ce que j'en sais, le peuple français, la population, les soldats qui ont partagé avec eux la guerre et les souffrances de la guerre, eh bien, ce sont des frères. Mais je pense que, en revanche, pendant cette période-là, il y a eu un grand ressentiment de la part des tirailleurs sénégalais, qui a été partagé d'ailleurs par des anciens combattants français. Parce que les tirailleurs, alors qu'on leur avait promis des pensions, ne les ont pas reçues. Ou en tout cas, ces pensions n'ont pas été payées à la hauteur de ce qu'on leur avait annoncé. Ou bien, quand ils étaient morts, elles n'ont pas été reversées à leur famille. Donc, ça crée un ressentiment très fort qui a duré très longtemps, y compris d'ailleurs pour les tirailleurs qui ont participé à la Deuxième Guerre mondiale. En Afrique de l'Ouest, pas simplement au Sénégal, parce que les tirailleurs sénégalais venaient non pas simplement du Sénégal, mais du Mali, du Burkina Faso, du Tchad, de la Guinée. Eh bien, ce ressentiment-là, il a duré très longtemps. Et il a été aussi partagé par des poilus et des soldats français, et plus tard par des soldats de la Deuxième Guerre mondiale qui ont vraiment poussé le gouvernement par des pétitions, par des tentatives d'influer sur la politique pour que ces pensions-là soient payées, ce qui était dû aux tirailleurs soit payé et surtout que leurs pensions soient alignées les unes par rapport aux autres. C'est-à-dire que les pensions des tirailleurs ont été cristallisées à partir du moment où les pays d'Afrique de l'Ouest ont eu leur indépendance en 1960, en règle générale. Cristallisées, ça veut dire qu'elles ont gardé leur valeur d'avant 1960, ce qui fait qu'à l'arrivée, elles n'avaient plus aucune valeur, si vous voulez. Donc, pour résumer ma réponse, je dirais que vous avez une fraternité qui a pu naître entre des soldats qui ont souffert des mêmes choses, mais qui avaient, par rapport à la hiérarchie militaire, et puis aussi peut-être par rapport au gouvernement, chez les tirailleurs sénégalais, hein, un ressentiment très grand parce qu'ils n'ont pas été traités comme on leur avait promis, malgré les sacrifices qu'ils ont fournis. Intéressant que vous parliez de l'empire colonial, alors que la France est une république à l'époque de la Grande Guerre. Un fait incongru. Il y a une étudiante qui souhaiterait vous poser une question. Je vous écoute. Voilà. Je voudrais ajouter qu'il y a 100 ans qu'un écrivain serbe, Ljubomir Micić, a publié à Paris, en français, deux livres appelés, l'un s'appelle l'Anti-Europe et l'autre s'appelle Barbarogénie, le décivilisateur. Alors que le discours anticolonial est bien connu en Serbie et les Serbes sont infameux dans le monde comme les barbares de l'Europe. Voilà, nous savons bien quoi signifie d'être barbarisé dans le monde comme peuple. C'est une question sur le livre. Non, c'était seulement un commentaire. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur le livre?
Oui, j'ai des problèmes techniques, donc pardonnez-moi. Je voudrais poser une question très courte qui est liée à la fin de votre roman, cette fin que je trouve allégorique. Et ce que je voudrais savoir sur cela, c'est ce qui m'intéresse. Est-ce que vous avez écrit de nouveau un récit dans le roman ou c'est peut-être une sorte d'un intertexte, d'une traduction peut-être, traduction. Merci. Alors, vous voulez parler du conte du sorcier lion et de la princesse capricieuse. C'est ça? Oui, oui. Oui, donc je réponds à Sarah, je crois. En fait, ce conte-là, c'est un conte que tout le monde connaît au Sénégal. C'est-à-dire que mon père, mon oncle, le grand frère de mon père, quand j'étais petit, il me l'a raconté. Mais je me suis servi de ce conte-là pour l'intégrer dans le roman. Je l'ai modifié un tout petit peu pour le faire entrer dans le roman, hein, pour qu'il ait un sens dans l'organisation du récit, hein, dans mon roman. Mais, en effet, vous avez bien vu que c'était une allégorie, qu'il y avait intertextualité, mais c'est un conte qui appartient à tout le monde et que j'ai, si vous voulez, pour parler un peu vulgairement, recyclé pour l'intégrer dans mon roman. Merci. Il y a une question d'un journaliste ici. Madame Dragana Kovacevic de la Radio Belgrade. Madame a eu deux impressions en lisant l'ouvrage et deux images qu'elle a retenues. La première image, c'est cette impression des tranchées, du sang, de la mort. Et de l'autre côté, c'est son impression sur l'Afrique qui est blanche et intouché par et non souillé en fait par ces horreurs qui se trouvent dans la première image. Est-ce que ça a été voulu? Oui, il y a deux parties dans le roman. Il y a la première partie qui correspond à peu près aux 12 premiers chapitres ou 13 où le tirailleur est pris dans la boue et le sang des combats et des tranchées. Donc c'est un moment très violent, hein, où on a quelque chose de très fort. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu le tableau du peintre allemand Otto Dix, qui est présenté à Dresde. Et ce tableau représente la guerre et on voit au premier plan cette boue, cette terre mélangée avec le sang et les entrailles des combattants. Donc ça, c'est en effet une terre qui est dédiée à la guerre, qui est dévolue à la guerre, hein, qui n'est devenue, qui n'est qu'une terre de violence et de guerre. Et dans la deuxième partie du roman, j'ai voulu finalement recréer ce moment où le personnage retrouve par sa mémoire une période de sa vie qui n'a pas été absolument heureuse, mais qui est éloignée de la guerre. C'est pas non plus une Afrique idéalisée que j'ai voulu mettre en scène, parce que c'est quand même de cette Afrique-là que mon personnage tire la faille qui est la sienne et qui va s'agrandir quand il va arriver sur le théâtre des combats. J'ai voulu raconter, par exemple, que sa mère a été enlevée par des Maures, c'est-à-dire des habitants de Mauritanie au nord du Sénégal qui pratiquaient l'esclavage et qui enlevaient des Noirs pour en faire des esclaves. Mais j'ai quand même voulu montrer que cette terre-là était en effet loin de la guerre, parce que c'est une terre que je présente selon le point de vue d'un paysan. Et les paysans donnent vie à la terre. Ce qui est frappant pour tous les paysans, y compris ceux qui venaient de la métropole, hein, français, hein, c'est que les terres qui étaient normalement des terres cultivées ou qui donnaient de la vie
étaient labourés par les bombes et les obus. Et on sait par exemple que d'un côté comme de l'autre, hein, chez les Français comme chez les Allemands, ou chez les Alliés comme chez les Allemands, on rasait et on coupait les arbres pour éviter que les ennemis consolident leurs tranchées avec ces arbres. Or, pour des paysans, pour des agriculteurs, la terre, c'est fondamental. La terre, c'est ce qui donne la vie. Et bien là, la terre, eh bien, elle ne donnait que de la mort. Donc, j'explique, si vous voulez, cette différence aussi entre ces deux grands moments du roman par ma volonté de présenter le point de vue d'un personnage qui vient de la campagne et qui, finalement, aussi regrette cette terre qui donne la vie plutôt qu'elle donne la mort ou plutôt qu'elle apporte la souffrance. Non, je me la donne la possibilité de vous poser une question. Vous avez mentionné deux fois la faille du personnage d'Alpha Ndiaye. Est-ce que vous pourriez préciser un peu plus sur cette faille, d'autant plus que cette faille devient de plus en plus importante tout au long de la vie d'Alpha Ndiaye. C'est la mère qui l'a abandonnée et votre comparaison des tranchées avec le sexe des femmes. Vous venez de parler de la terre mère, d'accord? Il y a le départ, la sortie, il y a le retour. S'il vous plaît. Alors oui, merci pour votre question qui est intéressante. Oui, j'ai voulu montrer que le personnage, et c'est pas un personnage très réaliste, c'est un personnage mythique. Parce que ce personnage d'Alpha Ndiaye, c'est un personnage dont le père est un paysan qui est enraciné dans la terre et dont la mère appartient à une ethnie Peul, qui est une ethnie de nomades. Donc, si vous voulez, c'est un personnage qui est partagé entre l'enracinement du paysan et entre le désir de voyage du nomade. Hein, sa mère, c'est la Peul qui part. Bon, elle part parce qu'elle a été probablement enlevée. Mais lui et cette faille, elle naît de cela. Elle naît de ce manque, hein, de cette... dans le fond de cette rupture avec sa mère. Et cette faille-là eh bien, s'agrandit sur le théâtre de la bataille. Alors, la comparaison des tranchées avec le sexe d'une femme, elle est liée au fait qu'il m'a semblé que cette image pouvait rendre compte du destin non seulement des soldats, mais de tout être humain. Hein, nous naissons au monde... et nous quittons ce monde. Simplement, sur le champ de bataille, les soldats sortent de la tranchée, ils renaissent en fait pour mourir immédiatement. Il y a des philosophes qui disent finalement que dès qu'on naît, on commence à mourir. Mais là, en l'occurrence, hein, ces soldats, ces jeunes gens, bien, sortent de la terre et puis sont immédiatement fauchés. Et ce qu'ils deviennent, c'est de la matière qui est à nouveau absorbée par la terre. Mais le cycle de la vie s'accélère et la mort est contiguë à la vie. Donc voilà pourquoi j'ai fait imaginer à mon personnage cette image, cette comparaison, cette métaphore de la tranchée comme d'un sexe de femme. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas de questions? S'il n'y a pas de questions, alors je vous remercie infiniment, Monsieur Diop. D'avoir été avec nous aujourd'hui et d'avoir partagé vos lectures, vos impressions de votre livre avec nous. J'espère que nous aurons peut-être l'occasion de vous rencontrer lors d'un salon de la littérature francophone. Il y en a souvent à Belgrade et en Serbie. Étant donné que nous n'avons pas eu la possibilité de vous rencontrer cette année. Merci encore une fois. Alors, au nom des étudiants, au nom de mes collègues de ces quatre universités serbes, au nom de l'Institut français, c'est moi qui... d'accord. Je vous remercie aussi au nom de l'Institut français
Et je vous souhaite de bonnes écritures pour vous à l'avenir et de bonnes lectures pour nous à l'avenir. Merci. C'est très aimable à vous. Je vous remercie aussi les étudiants, les enseignants qui ont souhaité que je gagne ce choix Goncourt de la Serbie pour l'année 2019. Et je regrette vraiment de n'être pas venu en Serbie. Mais comme vous le dites, j'espère vraiment aussi venir rencontrer mon éditeur Geopolitica. Et je regrette que ça n'ait pas pu se faire, mais en même temps, je suis très heureux d'avoir eu un contact avec vous toutes et tous qui a été fort sympathique. Comme vous le disiez, le cycle de la vie continue et nous espérons alors vous rencontrer à Belgrade. Merci. Au revoir, monsieur. Au revoir à tous. Au revoir.